C'est dans la taverne, je crois, du coup. Ouais, ça a l'air d'être dans la taverne. Faut dropper avec les coffres. Merde, j'ai pas levé la balle, je crois. Enfin, Pixel Drift quand même. Allez. J'ai pris un coffre. Un deuxième, je crois. Ça a gouvoté la tail. Très fast. On va faire 15 heures de live, comme j'avais dit à peu près. On finira à 15 heures. Ça fera. On fera 24 heures cuit debout. On n'a pas fait 24 heures de live, mais. Cœur ardent, c'est ça, hein? Ouais, beauté. These are dangerous times if the stories of pirates releasing Captain Flameheart are true. I know a few people who'd like a word with them about that. I mean, they used to say on a pas eu la voile. For battle and bloodshed. Last time he was around, he nearly brought the Sea of Thieves to its knees. No one. La voile devant Sandré, non, pas celle-là. Faut finir trois fois la quête. Not everyone's cœur, alors, je suppose que c'est pareil. There are those of us like Captain Pendragon who are working to find Flameheart and stop him before he can regain his former strength. Since you're here, I assume that means we can count on you for your help. When we know more, we'll be in touch. In the meantime, do me a favor and take that journal back to Grace, would ya? She's always leaving it lying around. Bon, ok. Is that my journal you're carrying? Don't tell me I left it behind again. Not that there's much in there. Just some notes of my time in the Devil's Roar and all the things I'd like to do to... Wait! Can you hear that? Something's coming. At last. Tallulah told me she'd send for pirates who wouldn't shy away from battle, and here you are. I need your help, and quickly. What? My crew are in danger. Aren't you Captain Pendragon? Last thing I heard, you didn't have a ship left, much less a crew. Oh, my friends and I parted ways long ago. But their personal effects were still aboard the Black Witch. Stitcher Jim must have taken them to use in his vile ritual. Did you say Stitcher Jim? Yes, the same wretch who freed me from my painting and deceived me into unleashing Flameheart. Not that I knew his name at the time, of course. They say he used to serve the gold. Attendez, mais c'est ici le début, en fait. He's changed allegiance once again. Oh, trust me. Tant, il y a une espèce de histoire. If he's working for Flameheart, we're all in trouble. Where is your crew now? Rumors say he confronted them with an armful of dark relics and bound their spirits into some kind of cursed chest. Madame Olivia believes he might try and use its power to summon an Ashen Lord to the Sea of Thieves. Ashen Lords. I've heard the stories, and those were bad enough. It seems Flameheart needs to rebuild his army, and he's using my crew to do it. We must recover that chest from Stitcher Jim, whatever the cost. I've always used my journal to keep track of Jim's whereabouts. Take it with you, and use it to hunt him down, before it's too late. Okay. Mmh. Alors, Ruby, Fetcher, Jim et moi avons levé notre shop. Avant de faire au-delà du front. Nous avons fait une découverte au-delà du front, d'un monde hostile et brûlant que nous avons attisé des droits. Jim a découvert une boîte des merveilles. Ah, c'est ce truc-là qui vaut cher. On l'a rangé dans notre cale, un endroit aride et sans pitié, rempli de pièges et de dangers.
dans sa planque sur Liar's Backbone. C'est là qu'on doit aller en fait. Vu que le premier truc de la fable c'est... découvrir la planque de Stitcher Jim. Et du coup je pense que c'est là-bas, dans sa planque, Liar's Backbone. Allez voir sur le bateau, sur la map. Ouais, c'est ça. Moi j'ai dit de littéralement l'endroit. Deux ? C'est Liar's Backbone, je sais pas quoi. Mmh. Ouais, j'ai manqué le stuff que j'ai. J'ai regardé sur la map. Allez. Nashi, il est AFK, c'est ça ? Ouais, 2 minutes. Il prendra sirène, I guess. Alors, c'est où Liar ? C'est sur tout... le bateau. C'est toujours en... Devil's Roar ? Pas sûr, en vrai. C'est non, c'est pas là. Alors. Ouais. Ouais. Je pense que ça va être loin. Ça, ok, non, c'est pas très loin. Il y a Liar's, plutôt. Liar's Black Backbone. Faut passer, enfin, genre, faut continuer tout droit et remonter. Faut, la direction, c'est. Nord. Nord-ouest. La direction pour le truc. Non, 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 c'est vraiment pas ça qu'il fallait faire. Ah. Mais on va nord là, non ? Ah, ouais, mais c'était pas par là qu'il fallait passer. Ah, mais bad. Stop, grave. Ouais, j'ai fait ça pour éviter de faire le tour de l'île. Je pense que c'était mieux de faire le tour de l'île. T'avais le cap parfait là en vrai. Ouais, c'est bon. Flood of Caillou. Ouais, il y a Cinder. Je pense que ça va être un peu long en vrai. Mmh, est-ce qu'on a le vent ? Il y a le volcan devant. Ouais, si on m'en réparait. Oui, 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 oui. Je vais vraiment avoir la flemme de faire le voyage inaugural. Déjà là. Quand ça prend en fait. Déjà là, rien que celle-là, je commence à vraiment être dans le mal là. En fait, c'est surtout. Ça fait que 13. En vrai, ça fait que 13 heures de live, mais. Les presque 24 heures debout, ça commence à. À piquer quoi. Je fais full dodge les trucs, sans bouger, de rien. Oula. Oula. De rien. Toujours en full dodge service, on est toujours bon cap et tout. Attends. En vrai, je pense que le temps de finir cette tall tale là, on sera 14-15 heures de live. Flipping de sub. Faire une gauche un peu. Attends. Ok, j'étais un peu late. Je pense que ça aurait pu me flipper. Ouais, mais après, il y a des îles devant, donc...
Je suis pas sûr que ça suffise la gauche que j'ai fait maintenant. Ouais non. Allez. Il y a un rocher devant qu'il faut dodge. Ouais, je sais. Un peu sur la gauche. Oui, oui, oui. Je rêve de mon lit, là. En fait, je rêve de mon lit. Genre là, il faut finir la tall tale. Go au lit. Dormir. Pff. 12 heures. Se lever à 3-4 heures. Live. Full for fun Xin Zhao AP en normal jusqu'à ce qu'il y ait assez de gens pour faire de la solo queue. Ah ouais, c'est quand même assez XD hein. Faire quelques solo queue, sieste et go cast OTP. Voilà le programme. Voilà le programme. Mais ouais, genre là, on finit la dernière. Ce sera à peu près à 24 heures de live. Enfin, 24 heures debout, mais je crois 14-15 heures de live. Je go me mettre dans ma chambre. Je pense que je vais prendre une petite douche avant de dormir. Regarder un petit épisode, te grappiller une heure de plus ou quoi. Et si je dors pour 16-17, c'est bien. 17 heures... Je dormirai plus que... Ouais. En vrai, si je me lève après 2h du matin, c'est vraiment insane. Idéalement, il faudrait que je me lève pour 4h. Comme ça, le temps de me lever et tout, je peux lancer un live à 6h. Ouais, faire un petit truc comme ça, je pense. C'est cette île-là ou c'est après? Je pense que c'est pas celle-là. Ouais, c'est après. C'est après. Non, bah là, ça se voit, c'est un rocher. Ouais. Bah, ouais, c'était. Enfin, notre rôle. Toutes les telles étaient bien. Enfin, genre. Il y a des gens qui disaient dans le chat et tout, quand on commençait, qui disaient, genre, tu sais. Ah ouais, tu verras, il y en a certaines qui sont pas ouf, machin. En vrai, il y en a pas une que j'ai trouvé. Ouais. Les seuls qu'on a un peu galéré, en fait, c'était par rapport à des trucs extérieurs. Soit des joueurs qui nous faisaient chier, ça. Ben, ouais, peu de PVP. Après, genre, le truc avec les étoiles, on a pas mal galéré parce qu'on s'est un peu pris la tête. Là, c'est pareil, genre, le... Celle dans le... Dans l'île... Enfin, Golden Shore, je sais plus, enfin... Je sais plus comment ça s'appelle, la zone. Ça m'a un peu cassé les couilles un moment, le truc avec les dalles et tout, mais au final, on a vite capté. Ouais, Shore of Goldborn. Pas Golden Shore. Mais c'était vraiment stylé. Moi, j'ai kiffé Golden Shore, enfin Shore of Gold. Ouais, c'était la deuxième meilleure pour moi. Même le boss et tout, ça va, un peu long, mais ça va. J'ai bien aimé celle qu'on a faite juste avant, avec le fait genre de suivre des trucs en mer et tout, et de voir les épaves et tout, c'était pas mal. Et ça reprenait la mécanique de... Des lanternes. Ouais, de la lanterne, c'était pas mal.
Mon objectif final sur Sea of Thieves ? Bah là déjà ils m'ont accepté pour être partenaire. Donc je vais, pour être partenaire, faut au moins que je stream du Sea of Thieves genre 15 heures par mois je crois. Donc je vais jouer un peu tous les mois. Mais je pense que là pendant les prochains mois, je vais pas mal jouer à Sea of Thieves en vrai. Et mon, en vrai, j'aimerais bien réussir à avoir 100% de complétion, mais il y a des trucs, ça paraît tellement infaisable. Je sais pas, genre avancer le maximum niveau complétion quoi. Mais bon, en ayant commencé le jeu il y a une semaine et demie, deux semaines maintenant, il y a du boulot quoi. Ce mois-ci, les 15h c'est d'ordre ? Ouais, bien sûr. Bah, entre le stream d'hier et aujourd'hui, on a fait 20h donc. Des 5, je crois, Dead Ghost. Ouais. Non, mais après, quand je dis 100%, c'est de s'en rapprocher le plus possible quoi. Attends, mais il en faut 5 des Shroud Dead ? Pour la. Ouais, ouais. Pour le truc max. Ouais. Pour être chasseur légendaire de Shroud Dead Ghost. Ouais, ouais. Alors, par contre, sa planque, elle est sous l'île, je crois. Il doit y avoir une grotte ou une connerie. Par contre, on n'a pas. Ah, ouais, si t'as géré les voiles correctement. Y'a une grotte ou quoi ? Voilà où je suis. Sur l'île ? Non, oui. Pas sur lui. Faites quelle fable, c'est la dernière, la 11e. Là ? Non. J'ai cru aussi. Non, mais je pense que c'est dans l'eau. Y a pas chasseur, c'est pas dans, c'est dans Butin Brumé, chasseur légendaire. Je crois d'être Ghost. Je sais pas. C'est pas dans Butin Brumé. Ok. Bon, je me suis fait spoil en regardant le chat, my bad. Ah, on a délaissé le message, mais un peu trop tard. Merci Spartanunus pour le Prime. Et merci Najax pour le Prime. Non, mais c'est, enfin, c'est pas ta faute, Amand, t'inquiète. J'ai. Il y avait un levier où on était. Shizzy l'a pas vu. Ouais, je l'ai vu grâce au chat. Oh, y'a plein de trucs cendrés. Qu'on ne peut pas ramasser. Un petit livre à lire par là. Ah, ça. Il doit y avoir un truc avec la tail. Ah, là, y'a un livre. Ouais, ici, y'a un journal. Entre. Ah, tu regardes ta tail. Thank you for your contribution. Il y a un symbole à droite. De quoi ? En fait, il y en a partout devant la grotte. Lord, les préparatifs sont terminés. Hein. Hert. Et en bas, Gold. Je sais pas dans quel ordre, mais. Ça, c'est Gold, le dernier. Il manque le crochet. Attends. Ah, open, il n'y en a aucun qui ressemble en fait. Attends. Là c'est gold. Là c'est. Merci Jake Phil pour les 10 mois. Le premier il est dans la grotte. Hein. Ah non, mais. Il est avant. Ah il y en a 4 en fait. Attends, mais il y en avait plus que 4 en fait. Okay.
Rituel. Flame. Ah mais il faut pas écrire Lord Flamert. Lord c'est... Ah non c'est King. Attends c'est quoi le son nom déjà? Ça sert à quoi ce vieux? Earth c'est le C à la fin. Ok ça c'est bon. Flame c'est dans la pièce d'entrée. Je crois que c'est le V. Ouais. Ok. Et après c'est soit Lord, soit King. Ouais, c'est King Flamer, c'est mon avis. Ok, c'est quoi la traduction de King en langage? Ça c'est Earth. King c'est ça. Ah non, ça c'est Lord Myron. Ça c'est Gold. J'ai pas vu qu'on pouvait lire les trucs. C'est pas King, c'est un T. C'est un T? Ok, bah let's go. Merde. Avec des... Voilà. Oh, maman. Ok. Faut la rendre sur le bateau, je suppose. Ou c'est ici? Peut-être ici, hein. Non, aucune idée, en vrai. Mon travail ici est presque achevé. L'équipage du Black Witch n'est plus... Je m'apprête à vous faire mon maître un premier seigneur des cendres. Le rituel doit avoir lieu dans le repère du capitaine Flamer tout au fond du cœur ardent sur Devil's Thirst. Devil's Thirst. Son accès n'est pas facile depuis les fonds, mais je peux y arriver si j'éclaire le calice surplombant la plage du littoral nord. Les seigneurs des cendres vont se répandre, vive le roi Flamer. Ouais, il est c'est cool bon, lui. Devil's Thirst. Faut me grab, hein, j'ai la clé. Ouais. Tu peux le faire Mm-hmm. En vrai, l'étendard pavillon âme 1. Jamais de la vie, on va le vendre. Pro, à la nanoseconde, on a fini la fable. Je fais jump. Les gars, fais jump dans la douche. Prendre une douche. Enfin, en vrai, j'allais dire, je vais prendre un bain, mais si je prends un bain, je vais m'endormir dans le bain de notre rôle. Je vais me noyer, genre. Prendre une douche. Pour être bien tout frais. Me mettre dans mon lit. Tout chaud. J'ai changé les draps. Et ça va dormir comme un petit bébé, là, pendant 15 heures. Mama. Du coup, là, on va à Devil's Thirst. C'est loin? Ouais. On retourne dans le... Ah ouais, non, c'est pas du tout dans le... C'est loin, mais on a le... Ah ouais, non, si, ok, c'est dans le Devil's Roar. Ah non. Attends, je pense... C'est en bas on du en a à peu près pour une demi-heure, ouais. Non, non, pas du tout, en vrai, il y en a pour 5 minutes. Hein. Ouais. Oh, le blanc? Blanc, bleu blanc. Bah, c'est une musique nouvelle, ça. C'est le, oh, blanc. C'est le blanc. C'est pas le blanc. C'est le blanc. Bah attends, notre rôle. Mais il avait un... Mais non. C'est évident. Mais je... Non, c'est pas lui, hein, je pense. C'est carrément pas le blanc. Si, si, bah après, bro, il est blanc en bas. T'as dit notre rôle. Bro, notre rôle, c'est le blanc. Hein. Avec le truc rose au-dessus, c'est... je pense que c'est le blanc. Hein. Vas-y, go le faire, go le faire. Je mets l'encre. En vrai, c'est en vrai notre rôle. Il y avait moyen que ça soit lui. Hein. Mais non, mais t'as jamais vu de vidéo? Bah non, non, j'ai pas regardé de vidéo. Okay. Il est vraiment tout blond, genre avec les yeux orange et la crête un peu colorée. Bah là, la crête était colorée. Hein. Rose, c'est pas comme ça. Merde. C'est le Christed Queen, lui. Ok. Prenez la barre, j'ai glissé. Non, ça nous intéresse vraiment pas. Ah, ça veut dire. Mais ça, y'a rien devant, y'a rien devant, c'est bon. Ouais, normal, j'ai mis un pixel cap. Bon, en tout, ta gueule. Y'a pas de taux de spawn. Non, mais enfin, en tout, il est juste cringe. Mila a demandé aux devs et ils ont dit que c'est full random, y'a même pas de taux de spawn ou quoi, genre. Anto, enfin, Anto, je vais te ban. Anto, je vais te ban une semaine, notre rôle, tu m'as pété les couilles. Déjà,
que tu full barque des jours et des jours. Quand les fables, quand les fables. 1h30 de fable, Anto endormi, se réveille 10 heures plus tard. Salut les gars. Ah ouais. T'as pas trop une merde, toi. Et en plus, tu casses les couilles dans le chat. Tu n'auras pas tes 4 casseux. Bon, m'en fous. M'en fous. Il y aura la team de Karim qui m'offrira 160 subs honteux à base de caca, caca pipi. Et puis, ben, je leur dirai merci pour les subgifts. Enfin, c'est fine. Les subgifts, c'est toujours les fans, d'ailleurs. Qui est... Ouais, j'ai mis à 4000, mais j'ai même pas. Bah tu sais ce qu'on peut mettre. Regarde, j'ai trouvé un nouveau sub goal. Regarde, je vais m'enfoncer. Tribunal en compagnie du juge Robalas. Voilà. Voilà. Les gens n'arrêtent pas de demander un tribunal. Voilà. Le tribunal est annoncé. Voilà, le nouveau sub goal, de rien. Je vous lis un sub goal, j'ai fait un sub goal. Go faire la chanson. À 4000, j'installe une webcam pour voir elle dégueuler dans le couloir. Ouais. Vraiment, enfin. J'ai même pas la force de... Oh, vous êtes juste des dogs, des pisses random. Même pas la force de répondre. C'est juste cringe. Chizzy, c'est quoi la musique que tu fais là? C'est très sad. Merci, on te fout le subkiff là. Roba le tarde. Go faire la musique, Summon the Megalodon. Oui, non, mais argumenter avec Amande, c'est pointless en ce moment. Amande, je suppose qu'elle a. Ça va faire une ou deux semaines, elle est là. Perma. Faut invoquer le blanc. Perma Cringelord, Perma Sad. Go juste pas argumenter. Amande est cancelled. C'est fine. Pète Amande. Et go next. Ouais, c'est une émote d'amande, non, elle est juste ça de démonte. Moi, je vais me passer de commentaires. Mais au final, moi, je suis content parce que les émotes que j'ai faites avec Abby Daisy, là, la Sage, la Prage et la Pipo, enfin la Flush, en poulpe, en vrai, les gens les utilisent pas mal. Je pensais que ça allait être des émotes qui allaient pas trop marcher et tout, mais ça va en vrai. Mais Abby Daisy avait fait des trucs, fait des émotes vraiment pixel en vrai. Y'a un Maïga ? Ouais. Mais on vient de faire la musique ce mode. Bah, de rien en fait. Mais y'a un Maïga ? Mais là c'est forcément le blanc en fait. C'est le blanc. Mais c'est un méga ou pas ? Oui, c'est un méga. T'es sûr ? Je sais pas parce que on passe à côté d'une île donc. Non, c'est pas un méga. Mais c'est fou. Enfin, je crois pas. Je sais même pas pourquoi cette musique en fait. Musique de fable. Ça fait partie de la quête. Ah, parce qu'on approche le truc ? C'est l'île en face ? Putain, mais c'est sûr, il y avait le blanc derrière nous. Non, mais ta gueule. Mais on a fait la musique ce mode. Non, mais ta gueule. Mais notre troll. Forcément que ça invoque des mégas. Vas-y, go tourner, se garer. Hop. Bah, je vous le dis, enfin, si le blanc spawn en stream et qu'on le kill et qu'on a le succès, en live, si ça arrive en live, le jour où ça arrive, j'offre 100 subs. C'est tout. Ah, bon, c'est tout. Ah, my bad.
Merci Anto pour le subgift, tu es un bon toutou. Bon alors on doit faire quoi déjà? 0,5% de taux de spawn. Le rituel doit avoir lieu dans le repère du capitaine tout au fond du cœur ardent sur Devil's Thirst. Son accès n'est pas facile depuis les fonds, mais je peux y arriver si j'éclaire le calice surplombant la plage du littoral nord. Ok, littoral nord, on y va. Avec des grabs. Fun. Là c'est plus sur un rocher que tu vas. Non, non, t'inquiète, franchement. T'inquiète, t'inquiète. Oh ouais. T'inquiète, bro. Ah merde, j'ai pas pris le médaillon. On passe là, là. On passe là, là. On grabe ça. Vas-y, je le prends. Ouais, vas-y, canonne-toi. Prends le même canon que moi. Bah non, je peux pas le prendre sans médaille. Ah. Bien vu. Ah, je suis bloqué. Ah non. Merci Anto pour le subgift, tu pues du cul. Anto était un cringe lord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise enfin... Anto est juste un putain de cringe lord. Il y a un coffre. Je sais pas que je peux pas passer. Non, j'hésitais pas à arriver encore, mais what the... Ouais, c'est là. Ouais. C'est où je suis. Ça prend un peu de temps. Il y avait même pas besoin de l'objet. Ah ouais. Après l'objet, il y a peut-être moyen, il va peut-être falloir l'utiliser pour quelque chose d'autre, mais. What? Il est où Flemmer? Ça fait combien d'heures qu'on a pas croisé un joueur? Putain, merde. Ok, heureusement il y avait de la flotte. Tiens, si tu veux poser ton truc, tu peux le mettre là-dedans. Je crois que c'est genre là. Ça a ouvert quelque chose. Ah, je sais pas. Je peux le rallumer, mais... En fait, ça a allumé les trucs ici, mais... Ah, merci pour le subgift, Anto. Ah, t'inquiète, tu sens bon DG. Attends, reste sur la plage, je vais rallumer le truc pour voir où exactement où c'est, ça ouvre ou quoi, mais... Parce que j'ai même pas vraiment compris où était le truc. Merci Anto pour le sublift, je t'aime tout fort. Alors attends. Je vais rallumer. On est d'accord que c'est le littoral nord là. Oui. Non mais tout au fond du cœur ardent, c'est le volcan. Mais regarde. Regarde ce que ça ouvre là sur la plage. 2, 3, 4. Ah mais faut sauter dans la flotte. Devant. À l'avant là. À l'avant de la quatrième. Ah ouais, il y a une espèce de chemin ouais. Bizarre. T'as qu'à approcher le bateau si tu veux. Je te mets le coffre juste au-dessus sur la plage. Il y a une sirène. Je sais pas si c'est en... Il faut le médaillon.
Je le prends. Et pourquoi une sirène ici? Il peut pas se briser. C'est une entrée. C'est Amand en tout qui l'a fait. C'est stylé en vrai. Hein. Plonger là. Mmh. Ah, genre vraiment, on va vraiment dans les profondeurs du truc. Okay. C'est vraiment très stylé, pour le coup. Ah. Ah ouais. Bah je te laisse y aller. Sortir en semaine. T'inquiète pas, incendiaire. Y a que des incendiaires. Dans le vide tout le coup, y a pas de boue. Ouais, 24 incendiaires. Il va y avoir un truc à faire. Là. Y'avait rien de... Ah, déjà il y a des symboles sur les portes. Ouais. Mmh. Ah peut-être qu'il faut lancer les incendiaires dans les crânes. À côté. Ouais c'est ça. Ça a ouvert les trois. Ah, il y a des pièges et tout. Mais ok, faudra faire les trois. Fallait peut-être faire les autres avant. Peut-être. Ah bah la porte se referme. Je suis tombé dans un trou. Ah, peut-être qu'il faut incendier ça là-bas. Non. Ah y'a des crânes au-dessus. Oui, les incendiaires. Y'en a un là. Y'a pas d'autre.
Il y en a un là. Où je suis ? Je le vois pas avec mon nom. Ok. Attends, mais... Mais c'est trop compliqué. Il y a un truc pour ralentir ou quoi, non? Ouais, là. What? J'ai arrêté le premier. Ah. Il doit y avoir d'autres leviers, non? Ouais, je pense. Peut-être solo. Ouais, il y en a un solo. T'as rien arrêté, là. T'es où, hein? Non. Il y en a un là. Ouais, ça l'a ralenti, quoi. Pas du tout. Ça a rien ralenti du tout. Mais je comprends pas. Faire le celui-là en dernier. Attends, si je fais celui-là sans avoir fait l'autre, ça fait quelque chose? Ouais, ça a mis le dernier. Il était où l'autre levier que t'avais eu toi? Dans l'eau. Où? Non, juste devant toi. Dis-moi si ça arrête le deuxième. Non, ça a remis le dernier. Active celui à côté de toi. Ok. Ouais, ça aurait été le premier. Je suppose que le dernier. Et là c'est bon celui. Il y a un temps ou quoi? Non mais il y a un truc à faire avec les trois leviers. Ouais. Et je me demande s'il y en a pas un quatrième ou quoi. Un temps, ouais. Il y a un temps en vrai, non? Tu penses qu'il y a un temps? Non, moi je pense juste qu'il y a un ordre ou un truc. Ouais, il y a forcément un quatrième levier. Où tu peux gérer, mais il est où? Elle est là, juste à côté à gauche. Non. Ouais, ça, voilà. Active le tien pour voir. Dernier dans l'eau. Le dernier s'est baissé. Il reste le troisième. GG. Il y a de la bouffe là si vous voulez. Ah ouais, je suis chaud. Heureusement que ça crame juste. Attends, faut courir et sauter en face là? Faut dash, 100%. Ouais. Non, je crois que j'ai appuyé. J'ai juste appuyé deux fois sur E au lieu d'une fois. Ça a lâché l'échelle, je crois. Ouais. Merci Anto pour le subgift. Va dormir, trou du cul. À quel endroit je vais respawn par contre? Peut-être devoir refaire les trucs tout seul. Ça fait une once contre des squelettes. Ils sont si les squelettes. Il y a un truc. Merci chaque Alexis pour les 3 mois, pardon. Ok, je suis au jump. Vous avez dash ou vous avez juste sauté comme j'ai fait? J'ai dash, moi. Faut juste dash au timing pour pas se prendre le truc. Bah là j'ai essayé de sauter mais ça a pas trop, mar-
pas trop trop marché quoi. Ça a pas ouvert la porte quand t'as allumé le crâne? Non, il faut la poulie. Il faut quoi? C'est la poulie là. T'as dash ou t'as sauté? Moi j'ai dash. Ok, j'ai dash aussi. Mais vous avez dash sauté ou juste dash? Dash sauté. Squelette de merde. Mais en vrai, là la porte qu'on vient de faire, c'est une seule des trois. Faut faire les trois ou faut en faire qu'une? Je sais même pas, je pense qu'on fait les trois. Ça, j'ai regardé le début d'une autre et ça avait l'air d'être autre chose. Putain. Ok, mais on s'est. Attends, on s'est pas fait trop. Ok. Avec la poulie, faut juste remonter la porte tout en haut, c'est tout ? Ah, c'est ça. Ok, je suis là. Ah ! Il faut se dépêcher de passer. Je partage. Putain de squelette, arrêtez. Attends, mais c'est un capitaine, ça ? Oh, il est si résistant. Est-ce que c'est des capitaines? Non, faut juste que je leur monte tout en haut en fait. Oh merde. Bah merci frérot. Je suis passé. Ah c'est bon. Ouais, on va voir, mais c'est bon, t'as le temps de passer celle-là et descendre doucement. Faut faire quoi avec la poulie d'ici? Fais gaffe, y'a des flammes qui vont apparaître au milieu entre la porte, mais tu l'actives et tu renais la porte. Et y'a une petite rivière de lave au milieu. Il faut pick-up ça, ma fille. Ah! C'est, faut s'arrêter un temps. Pas foncer, t'aider ici. S'arrêter au milieu? Ouais. Attends, mais non. Y'a pas de passage pour s'arrêter là, faut juste courir. Bah non, non. Y'a 5 pics d'affilée. Attends, mais il faut aller tout. Ah, ok, sur le côté là. Ok, ouais. J'espère vraiment qu'il y a un peu de sauveur. Attends qu'il soit rentré. Une fille avait une femme, enfin, un jour. Hop. Ok. GG. Ah, on a fini. Attends, mais. What? Il y a 45. T'es là? Non, non. On pouvait prendre la. Et il arrive là. Je crois qu'on pouvait prendre la porte qu'on voulait en fait. Et dans tous les cas, on est arrivé ici. Les autres chemins, ça débloque d'autres parties de la fable. Ok, faut jamais, enfin, faut pas prendre le même ou alors quand tu la refais. Je crois qu'il faut la faire trois fois.
Du coup, la deuxième fois où tu le fais, la fable, je pense qu'il faut prendre le chemin du milieu et il faut prendre celui de gauche pour la fin. En gros. Parce qu'il faut le faire trois fois, comme l'autre. Il y a cinq journaux. Terminer le récit trois fois pour la promotion légendaire. Et il y a trois chemins différents, ouais, donc c'est ça. Attends, mais on pouvait pas se split en trois pour faire... Je pense pas. Et là, du coup, faut prendre le coffre et se barrer, non? Ouais, il y a un truc retourné sur mon navire ici, mais je pense que ça marche pas avec le coffre, donc vous pouvez essayer de trouver le... Et où? Attends, moi, je vais mettre un boulet de feu. Bon, décale-toi. Gaffe qu'il n'y a pas les trappes. Si vous pouviez, mais ça aurait quand même compté pour une fois chacun. Hein? Plus faut les journaux. Bah moi j'ai pris tous les journaux de ce passage, je crois. Il y en avait deux. Il y en avait deux sur ce passage là? Ouais, en fait dans le deuxième endroit au niveau des pics là, les petits renfoncements. Ouais. Il y en avait un dans le... Je peux pas faire demi-tour et aller les chercher? C'est chaud en vrai. Ouais, pff, après au pire je referai la fable une fois. C'est où du coup? Non, c'est par là. Voilà. Ah bah salut. Oula. Attends, ça passe comme ça? Attends, c'est un portail? Petit dodge. Hop. Ah non, faut nager. Attends. C'est à gauche. Et où à gauche? Ah, détruit. Quand tu passes la cascade, c'est où? C'est là qu'il y a... Ah! Ok, my bad. J'ai pas vu. Oh, je suis sacrément chaud, moi. J'avoue que là, la fatigue, ça commence à... Je peux pas dash avec le coffre, hein. Non, mais tu peux quand même, je pense. Ouais, à mon avis, ouais. On peut venir jusque là. Easy. What the fuck? C'est quoi cette merde? Aïe! Oh oui, ça fait mal! Oh! Attends. Faut pas se les prendre, les trucs qui bougent, ça enlève quasiment toute la vie. Ah! Ok, la bagarre. Je pense que vous avez de ça ou le vélo. Aïe. Un petit squelette pour casser les couilles. Oh maman, il y en a 5 qui arrivent. Salut. Bah t'es sérieux? Ah t'es merde. Je suis passé, c'est bon. Bah s'il y en a un qui meurt, il va devoir relever le truc tout seul. Ça me met bien. Il y avait pas une fable derrière quelque part? Non. Oh je l'ai fait en full run. Ok, là on est en train de remonter au navire, je sais pas. Qu'on s'est peut-être fait couler en vu que personne survit. Attends, mais comment tu nages, Chizil? Je suis full fucké. Tu vas casser les couilles. Oula. Ok, c'est reparti. Faut aller où là? Il nous laisse partir. Ok, ouais, j'ai pas vu.
c'est bon. Bateau. Ouais, il veut qu'on lui donne le coffre, hein, ouais. Bateau. Ouais. On prend tout, lui. Je pensais qu'on allait le vendre, moi. Merci, Else pour les 8 mois, merci Cabillo pour les 5 mois. Mais, putain, ouais, ça fait chier, du coup, il faudra refaire une fois pour les parchemins. Regarde l'animation, Robin. Il refait un coup d'épée. Oui, bon, il va annuler le truc, quoi. Ça va exploser. On a fini, je pense. Let's be sure nobody else falls into Flameheart's clutches, eh? Oh. Pardon. Oui, fin de l'histoire. Ok. Eh ben GG, c'était vraiment sympa en vrai les deux. Ouais, mais elles sont rapides en vrai. Ouais, c'est vrai. Plus rapides que les autres, pour le coup. Genre, y a... c'est beaucoup plus scénarisé. Mais c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Let's go, progression des tâches, 11 sur 11. Moi, 10 coffre du dragon, sans vrai reçu. Maman, elle est si belle. Qu'il faut grab ça. Hop.